Précédemment, dans Règne. Comment sommes-nous mortes, mère? Claude vous a étouffé. Faites à Claude ce qu'elle nous a infligé. Claude est une jeune femme robuste. Il en faudra plus pour en venir à bout. C'est cela que vous avez mis dans ma soupe? Pourquoi? Parce que vous avez tué vos sœurs. Ne trahissez pas vos autres enfants, Catherine. Je réalise que je ne peux rien changer au fait que... Tu me reproches ce qui s'est passé. Je pense que nous devrions vivre chacun de notre côté. En fait, mon argent n'a jamais été destiné à bâtir une école. Ne me dis pas que nous avons financé l'assassinat du roi de France. Je crois que Diane veut faire légitimer Sébastien. Vous envisagez de modifier l'ordre de succession, et c'est ce genre d'idée qui conduit les têtes des bâtards et des maîtresses sur le bio. Donnez ceci à la reine Marie, mais pas avant demain. Je sais que j'ai accepté d'épouser Claude dans l'intérêt de la France, mais j'ai réalisé que c'était impossible. Je suis tombé amoureux d'une reine. Marie. Je me demandais où tu étais, tu n'es pas descendue pour le petit déjeuner. Tous ces voyages m'ont épuisé. Je me reposais dans mes appartements. Tu n'essaies pas de m'éviter? Cela fait 2 jours. Je sais que tu veux que l'on garde nos distances, mais nous sommes toujours roi et reine. Je t'ai vu. Le soir où je suis revenue. Tu étais endormie auprès de Lola. Avec entre vous deux, votre bébé. Cela faisait plusieurs jours qu'il ne dormait plus et Lola et moi étions exténués. François, tu n'as pas besoin de te justifier. Je sais qu'il n'y a absolument rien d'inconvenant entre vous. Mais il n'empêche que c'est douloureux de te voir en paix avec eux. Et je me dis que tu pourrais être tellement plus heureux dans la vie. C'est avec toi que je veux être heureux. Je suis désolée. Ce n'est pas toi. Dès qu'un homme s'approche de moi, je me sens en danger. Et aujourd'hui encore, je ne supporte pas que l'on me touche. Et même le souffle d'un homme à mes côtés... J'aimerais t'aider, mais je ne sais comment... Laisse-moi du temps. Tout le temps dont tu auras besoin, bien sûr. Et moi, de quelle façon puis-je t'aider? J'ai cru comprendre que tu distribuais les terres de Narcisse. Ça ne doit pas être facile. Les gens sont pris d'une telle frénésie que je ne peux y voir clair. Il m'est difficile d'avoir un avis impartial quand tous ceux qui m'entourent veulent récupérer une part du gâteau. J'ai déjà plus de terres qu'il ne m'en faudrait jamais. Peut-être que je peux t'apporter mes conseils. J'en serais ravi. Comme tu l'as dit, même si nous sommes moins proches, nous avons des devoirs en tant que souverains. Qu'est-ce qui t'a sorti du lit de si bonne heure ce matin? François m'avait fait mander. Oh, voulait-il que tu exécutes ces sombres requêtes ou était-ce pour faire l'amour à trois avec votre sœur Claude? Il m'a proposé des terres et un titre. Mais j'ai dit non, évidemment, car je sais que ma femme ne veut pas d'un époux qui se laisse acheter. Ça ne m'amuse pas. Ça, je veux bien le croire, mais c'est la vérité. Il m'a bien proposé des terres et un titre. Il aurait fallu que je sois vraiment idiot pour refuser. Attends, tu es sérieux? C'est vrai? Oh, c'est merveilleux! Depuis le temps que je fais des ronds de jambes et des compliments aux comtesses et aux baronnes, c'est à moi maintenant qu'elles vont faire des courbettes. D'ailleurs, qui devra s'incliner devant moi, des comtesses? Est-ce qu'on va avoir un duché? Tu sais que t'es en train de me déshabiller. Très bien. Attends, il y a une autre nouvelle. Je commence à comprendre ce qu'Henri a vu en elle. Mère, vous êtes en avance. Puisque vous êtes ici, je crois que l'heure est venue de vous présenter officiellement mon épouse. Je suis navrée d'avoir raté le mariage. J'ai entendu dire que vous étiez en larmes durant toute la cérémonie. Ça va mieux maintenant? Et Kenna, c'est ça la nouvelle dont je voulais te faire part. Diane, que nous vous donnons le plaisir de cette petite visite surprise. Vous êtes là pour la fête des glaces? Sébastien ne vous a pas dit? Mon fils bien-aimé m'a fait don de quelques-unes des terres que le roi François vient de lui octroyer. Et comme je séjournais chez des amis non loin d'ici, il m'a invité à le rejoindre afin de me faire découvrir mes nouveaux biens. Comme c'est gentil de sa part. Sébastien, chéri, est-ce que les biens que ta mère a reçus s'accompagnent d'un titre par hasard? Oh, mais il n'a que faire des titres et des distinctions. Autrement, il n'aurait pas refusé le duché qui lui était offert. Au lieu de quoi, il a choisi la baronnie située plus près du château afin de pouvoir continuer à travailler comme second du roi. Donc, j'aurais pu être duchesse. C'est peut-être un point de discorde entre vous deux. Je ne voudrais surtout pas semer le trouble dans votre mariage. Les bijoux, le maquillage, ce ne sont que subterfuges et artifices pour dissimuler une chair corrompue. Oh, votre chair est loin d'être corrompue, surtout depuis que vous pratiquez l'autoflagellation. Et je ne fais pas allusion à un quelconque jeu érotique. J'ai fait tellement de mal à cette famille. Si seulement je pouvais réparer mes erreurs. Allez jouer pendant que je parle à votre père. Et n'épouvantez pas les gens. Surtout pas votre sœur Claude.